Eh bien, Juliette, c'est le cirque qui vous met dans cet état-là? Non, mademoiselle, c'est mademoiselle. On ramène mademoiselle Catherine en voiture. Un accident. Un accident? Oui. Maman! Maman! Mon Dieu, quelle affaire! Oh! Monsieur Rosan. Oui, madame, votre mère est là, s'il vous plaît. Oui, oui. Catherine, ma chérie. Mademoiselle. Catherine! Ma chérie, tu es tombée de cheval? C'est pas grave, au moins. Je ne sais pas, mère. Juliette, allez vite chercher le docteur Mouriès. Il doit être encore chez lui. Hubert Rosan, madame. Ah, monsieur, mais comment se fait-il? Je passais, madame. Du sang. Non, superficiel, madame. Tu souffres. N'y touche pas. Non, attendez l'arrivée du médecin, mademoiselle. Veux-tu un verre de cognac, Catherine? Volontiers, oui. Toi, si solide, Anselme. Ma chérie, comment as-tu fait ton compte? Je trottais dans l'allée cavalière à l'ombre des platanes. En sens inverse, une voiture débouche à ma droite et vire sur la chaussée. Le reflet du soleil dans le pare-brise éblouit ma jument. Elle fait un brusque écart et... C'est idiot, j'ai un bras cassé. Non, j'espère que non. Ah, ces chauffards sont un danger public. Je suis désolé, madame, d'avoir été la cause. C'était vous? Oui. Mais mon assurance couvre tous les risques. Dommages illimités au tiers. Tu vas toucher gros? Il n'est pas question de cela, monsieur. Madame, je m'estime civilement responsable. Mais vous n'y êtes pour rien. Vous m'avez au contraire aidé à me relever, porté à votre voiture et pris la peine de me reconduire jusqu'ici. Je vous remercie de toutes ces attentions, monsieur. Bois. Et ta jument? Monsieur Rosan l'a rattrapée. Il a même pensé à la faire ramener à l'écurie par un cantonnier. Oh, sans vous? Merci, monsieur, merci. Non, je vous en prie, madame, c'était la moindre des choses. J'en connais à votre place qui ne se serait même pas arrêté. Non, j'étais le seul témoin de l'accident, mademoiselle. Raison de plus. Aujourd'hui, on est crasé en fil. Tu te sens mieux? Oui. Non, reste assise. Je préfère m'étendre. Oui, tu seras mieux allongée. Oui, dans la bergère. Toi, cours prévenir Yolande que je ne pourrai pas venir chez elle prendre ma leçon de chant ce matin. Mais rien ne presse! Mais si elle m'attend! Cette histoire m'a déjà mise en retard d'une demi-heure. Yolande pourrait se formaliser. Tu sais comme elle est susceptible. N'est-ce pas, monsieur? Vous qui êtes aussi son élève. Mais susceptible est peu dire, mademoiselle. Yolande est exaltée, ombrageuse. Elle est plus âgée que moi, mais c'est ma meilleure amie. Elle peut encore se marier, elle est jolie. Mieux que jolie. Et du meilleur monde. Ses parents ruinés l'ont laissée sans rien. Elle donne des leçons pour vivre. Mais c'est une personne distinguée, cultivée, très musicienne. Une amie. Excellente professeure, en tout cas, madame. Elle ne tarit pas d'éloge sur votre voix, monsieur. Une voix qui porte sur les fibres. Irène. Mais c'est elle qui le dit. Va me rendre ridicule. Allons, dépêche-toi, tiens ta langue et reviens vite. Bon. Maman. Monsieur Rosan déjeune avec nous. Irène. Le jour est peut-être mal choisi. Non, d'autant que je dois être au palais à midi, madame. À la cour d'assises? Oui. Ah, mais en effet, c'est aujourd'hui qu'on le condamne. Qu'on le juge, madame. J'aimerais vous voir en robe rouge. Une autre fois, mademoiselle. Il paraît que vous êtes sévère. Irène. Sévère. On ne saurait l'être assez quand il s'agit d'un monstre aussi horrible. Vous obtiendrez sa tête, n'est-ce pas? Je l'espère, madame. Veuillez m'excuser, le devoir. Bon, je vous en prie, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Comment tu as mal? Oh, jusque dans la nuque. Encore tous mes regrets, mademoiselle. Va! Si vous le permettez, je viendrai prendre de vos nouvelles. Mais je vous en prie, monsieur. Mais va donc, qu'est-ce que tu attends? Puisque votre voiture est en bas, vous voulez bien me déposer chez Yolande? Irène! Mais oui, c'est juste sur mon chemin, avec plaisir. Tu vois? Ah, cette petite Irène. Personne ne lui résiste. Après de telles avances... Que veux-tu dire? Qu'elle s'est montrée bien familière avec ce monsieur. Parfaitement élevé et courtois. Un peu trop content de lui. Non, 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 je n'ai pas eu cette impression. Mais en fait, tu ne le connais pas plus que nous. Mais je croyais que vous l'aviez déjà rencontré au tennis et même dansé avec lui à deux ou trois balles cet hiver. Vous le trouviez à votre goût?
Irène surtout. Mais de là à se jeter à sa tête. Mais ta sœur est un bébé. Un bébé. Tu devrais lui faire comprendre qu'elle va un peu loin dans son intérêt. Qu'elle soit polie, mais qu'elle l'invite à déjeuner, qu'elle dispose de son cabriolet comme d'un taxi. Mon Dieu! Mais tu lui passes tout! Je ne remets pas. Qu'elle n'oublie tout de même pas que c'est la faute de ce magistrat chanteur si je ne vais pas pouvoir monter à cheval, tenir une raquette, nager, danser, ni jouer du piano pendant des mois. Oui, je comprends que tu lui en veuilles. Je ne tiens pas à le revoir. Oh, calme-toi, ma chérie. Tu l'as encouragé à venir prendre de mes nouvelles, mais je te serai obligée de lui faire dire, s'il se présente, que je ne reçois personne. Tu as de la fièvre? T'es trop fort, 11h35. Oh, tant pis, elle n'avait qu'à être à l'heure. Ah, la voilà. Oh, tout s'en mêle, décidément. C'est incroyable, 45 minutes de retard. Je ne vous attendais plus, je partais. C'est vous, Irène? Mais que fait Catherine? Elle est tombée de cheval. Rien de grave. On attend le médecin. Ah bon? Si vous pensiez prendre la leçon à sa place? Non, je venais. C'est impossible, ma petite, un jour comme aujourd'hui. Mais je vous vois si belle, Yolande, où allez-vous? Ah, vous lisez donc pas Le Petit Provençal? Non, pourquoi? C'est à midi. 9 crimes, 11 viols. Et par le même, coup sur coup. Ah. Le président Raisin a dû refuser plus de 500 cartes aux assises. Moi, j'ai la mienne. C'est Hubert qui me l'a donnée. Mais pour gagner ma place... Quelle cohue n'aurais-je pas à fendre? Il faudra... Oh, chevreau glacé, c'est terrible. Il faudra traverser l'enclos du public, bondé. Mais vous ne vous rendez pas compte? Les gens se bousculent, s'écrasent, se piétinent pour entendre Hubert requérir contre le satyre de l'Estérel. Ah, je vais encore vibrer comme une corde. Qu'est-ce qui vous fait rire? Que j'appelle Monsieur Rosan Hubert? Non. Mais j'en ai le droit, ma petite. Allez, dépêchons-nous. Oh, votre chapeau. Oh, bouge la tête. L'audience est sûrement déjà pleine. Oh, mon invitation. Voilà. N'essayez surtout pas de vous en servir. Tu entends? C'est gai. Évitez les heurts. Sortez le moins possible. Je n'en ai guère envie, docteur, dans mon état. Oh, bah, ce n'est pas grave. Une simple fêlure du cubitus qui se résoudra rapidement. Dans combien de temps? 3 semaines. Déjà? Tu vois, tu te voyais dans le plâtre pour des mois. Merci, docteur, d'être venu si vite. 5 minutes plus tard, votre femme de chambre ne m'aurait pas trouvé. J'allais partir pour les assises. Oh, nous avons empêché d'assister. Oh, j'arriverai encore avant la fin du réquisitoire. Car c'est le responsable de votre accident, mademoiselle, que je tiens à écouter. Je n'ai jamais tant qu'aujourd'hui entendu parler de ce monsieur Rosan. Qu'a-t-il donc de si remarquable? Lui, avocat général à 30 ans, il fera son chemin. Depuis son arrivée ici, sur 3 affaires d'assises, 2 condamnations à mort et 1 à perpétuité. Hein? C'est un caractère. Savez-vous comment on l'appelle les magistrats du parquet? L'homme de fer. Et une voix chaude avec ça, et artiste. Ah oui, moi je l'ai vu et entendu chanter chez le préfet. Ah, quoi donc? L'air de la calomnie. On se serait cru à l'opéra.
Mais au tribunal, c'est un autre homme, la dignité même. Une éloquence directe qui entraîne. Et joli garçon en plus. J'espère. Aussi, c'est la coqueluche de toutes les jeunes filles d'Aix. Et des moins jeunes aussi. Yolande. Oui. La pauvre. Qui est là? Juliette, madame. Entrez. Pour mademoiselle Catherine. Fichtre. Merci. Hubert Rozon. Il sévit. Vous allez faire des jalouses, mademoiselle. La pédale, légèrement, Irène. Faites attention au doigté. Recommencez, Irène. Eh bien. Irène. Mais tant pis, à vous, je peux le dire. Mais quoi? Je suis fiancée. Non. Si, Yolande. Eh bien, pour une surprise, ça, c'est une surprise. N'est-ce pas? Ma chérie. Mais que vous êtes belle. Qui vous a donné cette robe ravissante que je ne vous connaissais pas? C'est lui? Non, non, c'est Catherine. Ah, vous avez toujours été sa petite gâtée. Mais voyons, j'y pense. La dernière fois que j'ai dîné chez vous, voyons, il n'était pas question de mariage. C'était dimanche et nous sommes aujourd'hui jeudi. Mais ça s'est décidé très vite. Avant-hier. Mais il ne faut encore en parler à personne. À personne. Alors vous êtes heureuse? Oh oui. Vous l'épousez tout de même, votre lieutenant de la Maladère. Oh, ce jockey, vous n'y pensez pas quand même. Comment? Vous traitez aujourd'hui de jockey le beau cavalier qui vous avait tourné la tête? Voyons, il fait la noce avec des femmes. Voyez-vous ça? 16 ans. 17 depuis avant-hier. Mais c'était le jour de vos fiançailles. Mm-hmm. On l'a choisi exprès. Ah. Oh, c'est la bague? Oh, elle est merveilleuse. Oh, vite, je brûle de savoir le nom de l'élu. Devinez. Pour vous offrir un brillant pareil, entouré d'émeraudes, c'est au moins le fils Farfala de la Banque du Midi. D'ailleurs, il vous avait déjà demandé en mariage. C'est pas lui? Il louche. Oh, c'est vrai. Mais alors qui? Devinez. Que je devine. Voyons, voyons, voyons. Je le connais? Sans quoi? Et il habite Aix? Oui. Voyons, c'est pas... Allez, je donne ma langue au chat. Ah non, cherchez encore un peu. Non, vraiment, je ne vois pas. Allez, ne me faites pas languir. Hubert Rozon. Vous en avez cassé le van. Oh, c'est trop bête. Vous ne savez pas mentir. Vous avez voulu me faire peur. Non, mais pourquoi? On avait des voix à ma place. S'entendre dire comme ça, brusquement, qu'un ami, plus qu'un ami qu'hier encore, assis là. Oh, vous m'avez bien fait marcher, comme on dit vulgairement. Mais non, je vous assure. Allons, allons, cette bague est un bijou de famille, je le reconnais. C'est votre mère qui vous l'a donnée pour votre anniversaire. Mais non, d'ailleurs, demain, vous allez recevoir à faire part.
Je me demande si je rêve. Moi aussi. Enfin, Hubert a pu vous dire qu'il vous aimait? Mais il faut croire. Et vous l'aimez? La preuve. C'est inouï. Et qu'en dit votre mère? Maman, oh, elle est ravie. Et Catherine? Catherine encore plus. Comment ça? Mais nos fiançailles sentent un peu son œuvre. Oh, si vous saviez avec quelle gentillesse elle nous a soutenus, rapprochés l'un et l'autre. Mais bien, j'avais contre moi une véritable conjuration. Mais quelle idée, voyons. À moi, une vieille amie de la famille, me faire ça. Mais Yolande, cela ne change rien entre nous. Innocente. Et vous vous marieriez quand? Le plus vite possible, dans 15 jours. Eh bien, voilà ce qui s'appelle un mariage express. Vous n'auriez pas commis d'imprudence. D'imprudence? Vous me comprenez? Non. Oh, Yolande! Oh. Alors, ce n'est pas possible! Enfin, Hubert est venu prendre sa leçon hier à 5 heures. Je lui ai fait travailler la romance à l'étoile et il m'aurait dit, ou plutôt avoué, qu'il n'était plus libre. Nous n'avons jamais rien eu de caché l'un pour l'autre. Mais puisque c'était encore un secret... Un secret de pourquoi? Un secret? Qui a demandé le secret? Lui? Oui. Enfin, pardi. Enfin, d'accord avec nous? C'est parfait. Après tout, j'épouse Hubert et ça ne regarde personne. Ah, pardon, ma petite. Enfin, je vous annonce à vous la première mon mariage. Ce ne sont encore que des fiançailles. Mais c'est tout comme. Avec Hubert que vous connaissez, que vous admirez, je croyais vous faire plaisir et... Vous vous fâchez. Vous me regardez méchamment. Oh, si j'avais su. Et tout ça parce que vous vous imaginez qu'on vous tient à l'écart. Vous finirez par me faire croire. Ne m'en veuillez pas. Ce sont les nerfs. Je suis une écorchée. C'est ma susceptibilité ridicule qui vient encore de me jouer un tour. Oh, Yolande, Yolande. C'est fini, c'est passé. Ma petite Irène. Ma chérie, je vous ai connue toute petite et bientôt vous serez sa femme. Je me réjouis sincèrement pour vous. Pas pour lui? Mais si, bien sûr. Oh, j'aurais voulu fêter cet heureux événement. Je regrette de n'avoir pas de champagne. Oh, vous êtes très gentille, mais ne vous mettez pas en peine pour moi. Attendez, vous prendrez bien un petit doigt de guignolet. Volontiers. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous offrir. Mais le cœur y est. Vous n'en prenez pas? Ça m'est défendu. Moi, j'ai mon sirop calmant. Bonheur. Comment le trouvez-vous? Un peu amer. Toujours le guignolet. Encore un peu. Oh, oh, décidément. Je suis maladroite. Il n'en restait presque plus, heureusement. Non, non, ne faites pas attention. Je ramasserai tout ça après votre départ. Je nettoierai. Bien. Reprenons la leçon, voulez-vous?
musique de Mozart. C'est la nourriture de l'amour. Allons-y. Eh bien. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes toute pâle. Je ne vais pas bien. Mais brusquement? Oui, j'ai des frissons. Oh, c'est ma faute. Mais si c'est la scène ridicule que je vous ai faite qui vous a bouleversée, vous n'en parlerez pas chez vous, hein, promettez-moi. Oh. Venez maintenant, ça ne sera rien. Levez-vous. Levez-vous. Eh bien, mes jambes ne me portent plus. Mais ça vous est déjà arrivé? Oui. Oui, hier soir, j'ai déjà eu un léger malaise. Ne me cherchez pas, c'est la grippe, il y en a beaucoup en ce moment. Maux de tête, frissons, courbatures, ça commence toujours comme ça. Appuyez-vous sur moi. Vous allez vous étendre un instant sur le canapé. Non, non. Un instant. Non, je préfère rentrer. Mais vous ne pouvez pas rentrer seule. Mais si, ça va mieux. Bon, je vous accompagne. Allez. Au lit en arrivant et un bon grog bien chaud. C'est idiot, nous devions aller ce soir au festival. Elle était encore allée essayer à son son piano. Irène nous l'a ramenée effrayée comme nous de sa mine. Nous l'avons mise au lit, nous ne l'avons pas quittée une seconde. Que s'est-il passé? Le troisième jour, elle allait mieux. Et puis, ce matin... Dans mes bras. Mon Dieu, pourquoi ne m'avoir pas prise à sa place? J'ai eu ma part de bonheur, moi, mais elle... Ah, venez vous reposer, maman. Les fleurs qu'elle avait reçues pour ses fiançailles iront pourrir au cimetière. Oh, c'est affreux. Hubert, comme je vous plains. Venez votre maman, Catherine. Non, j'ai le droit de voir ma petite fille. Où ces médecins l'ont-ils emportée? Que lui font-ils? Eh bien, docteur. D'abord, mon cher ami, je tiens à vous dire toute la part que je prends à la douleur supplémentaire que nous vous infligeons. Il le fallait. La conscience de médecin légiste m'a dicté le rapport que j'ai transmis au procureur de la République. Vous n'avez que faire votre devoir. Docteur Maurier s'appelait en consultation, malheureusement un peu tard, partagez vos soupçons. Soupçons que l'expertise après autopsie vient de confirmer à l'instant. Conclusion. Mademoiselle Irène de Wittenay n'est pas morte de mort naturelle. À quelle cause attribuez-vous le... Sans aucun doute, je viens de le consigner au poison. Quel poison? Seul l'examen des viscères nous l'apprendra avec certitude, il est un... Je vous demande pardon. Ces mots de métier que j'ai si souvent prononcés presque avec indifférence me paraissent tout à coup atroces. Tout le monde l'aimait, qui a bien pu. S'il y a crime, trouver le coupable n'est plus de ma compétence, c'est maintenant l'affaire de la justice. Donc la mienne. Après tant d'épreuves, cette recherche ne menace-t-elle pas, mon pauvre ami, d'être bien pénible pour vous? Oh, je ne compte pas. La vérité, rien que la vérité.
monsieur. Mademoiselle. Que désirez-vous, monsieur? On m'a dit que vous donniez des leçons de piano. Oui, monsieur. Mais qui êtes-vous? Un policier chez moi? Un inspecteur. Enfin, monsieur, à quoi rime cette visite matinale? Simple formalité, mademoiselle, qui m'amène chez toutes les personnes qui, comme vous, ont intimement connu la défunte. Enfin, pourquoi, monsieur? On me suspecte? De quoi? Je vous le demande. Mais non, mademoiselle, tirez-vous cette idée de la tête. Seulement, laissez-moi faire mon devoir. Faites, monsieur. Merci. C'est un souvenir. J'y tiens beaucoup. Pardon. Ce sont de très vieux numéros. Vous les gardez tous? Je m'en sers pour allumer mon feu. Des champignons. Incomestibles. Oui, j'en compose des motifs de nature morte. Je fais de l'aquarelle. Joli coup de pinceau. Merci. Et tous ces petits paquets-là, qu'est-ce qu'ils contiennent? Du chlorate pour la gorge, du sel de Vichy, des bicarbonates. Et toutes ces fioles? Des potions sédatives, du sirop calmant au bromure. J'en fais grand usage, je souffre des nerfs. Quoi d'autre? Du bismuth, du talc, de la poudre DDT, est-ce que je sais? Je vais vous aider. Strychnine. Oui. Je m'en sers avec du savon mélangé avec de la chaux et de la potasse pour préserver la collection de mon père. Le général. Oui. Sulfate de soude. Laxatif. On ne peut rien vous cacher. Arsenic. Oui. C'est pour les rats qui infestent cette maison, surtout ici au rez-de-chaussée. Leur sarabande la nuit m'empêche de fermer l'œil. Mais comment, diable, vous êtes-vous procuré toute cette quantité d'arsenic? Sur ordonnance d'un vétérinaire ami. D'ailleurs, je dois encore l'avoir là. J'ai pu fourrer cette ordonnance.
mademoiselle. Ne cherchez pas. Nous irons ensemble voir votre ami le vétérinaire. Hélas. Il est mort. À la guerre, d'un coup de pied de cheval. Tiens. Ah, la voilà. En effet. Eh bien, mademoiselle, je ne vais pas vous importuner plus longtemps. C'est fini? Vous voyez que je n'ai pas été bien méchant. La courtoisie même, monsieur. Non! Je vous interdis de toucher à ce carnet. C'est un véritable viol moral que vous commettez là. Vous permettez. Mai, 10 à 11, Hubert, Cavatine de Faust, même type. Vous n'avez pas le droit de fouiller ainsi dans la vie d'une femme. 10 mai, visite à Madame Adélie. Dans le cœur d'une femme. Les cartes l'ont dit, il m'épouse. Joie, joie. C'est indigne. Bonjour, maître. À l'atelier, je n'y pense pas trop. Mais c'est la nuit. Au dortoir, mes voisines se battent. Et comme j'occupe la paillasse du milieu... Vous ne regardez pas mes mains avec ce froid. Vous entendez? Voilà mon unique distraction depuis des mois. Les soldats qui rentrent de l'exercice. Cette marche militaire, c'est encore de la musique. Je suis tellement sevrée de musique. Les débats vont s'ouvrir. Quand? Demain. Oh mon Dieu, ils vont durer. Ah, le temps prévu est d'une semaine, mais avec les incidents, comptez sur moi, nous irons à deux, au moins. Oh, quel supplice. Au contraire, corsons une affaire déjà sensationnelle, comme disent les chroniqueurs judiciaires. Mais quoi bon? J'aimerais tellement mieux. Mais une affaire qui passionne la France entière. Tenez, nous avons cette semaine une double page. Regardez mes photos, là, en arrière de rugby, en lieutenant aviateur, et vous-même en brancardière à Lourdes. De quoi ai-je l'air là-dessus avec ce tailleur démodé? Je me serais bien passé de toute cette publicité. Mais vous n'êtes pas seul en cause, mademoiselle. Si je vous ai fait demander au lendemain de votre arrestation la faveur d'assurer gracieusement votre défense. Si je suis venu de Paris plusieurs fois à mes frais. Comment remercier d'une pareille générosité un maître du barreau aussi fameux que vous? Non, non, ne me remerciez pas. Mais pensez seulement aussi un peu à moi, pour qui votre acquittement est une question de carrière. Il faut que je tombe ce redoutable avocat général dont on parle trop et qui s'entête, malgré son deuil, à vouloir occuper le siège du ministère public dans cette affaire pour vous accuser demain. Lui. Comment a-t-il pu? Après tout ce qu'il y a eu entre nous d'intimité, de communion. Comment, attendez-vous du sentiment de la part de cet arriviste? Arriviste, non. C'est qu'il me croit coupable. Oh, c'est affreux, maître. Quand je pense que je vais le revoir ainsi, méchant pour la première fois, qu'il va me charger de cette chose horrible devant tous ces gens que je connais. J'abattrai l'accusation.
Oh oui, sauvez-moi au moins. Mais je ne vous cache pas que ce sera très dur. Mais puisque je suis innocente. Vous n'en avez jamais douté. Complètement innocente. C'est entendu. Il faut qu'on le reconnaisse. Mademoiselle, s'il est bon d'être innocent, il n'est pas du tout recommandable de l'être trop. Comment ça? On est innocent ou on ne l'est pas? Ben, accordez-moi que, connaissant le dossier à fond, m'acharner à vouloir prouver votre innocence par raison démonstrative prendrait un air de provocation. Je dis pourtant la vérité. La vérité? La vérité, c'est tout ce qu'on peut faire croire. Il n'y a donc pas de justice? Il n'y a que des juges, professionnels ou d'occasion. Ce sont surtout ceux-là qu'il s'agit d'étonner. Vous m'effrayez. S'ils allaient me condamner. Confiance. Lachaud, le grand avocat, disait à l'impératrice Eugénie, « Je joue du jury comme Paganini du violon. » Moi aussi. Mais alors que faire? Ce que je vous dirai. Ne perdons pas de temps, répétons la grande scène. La grande scène? Oui, j'ai mis au point mon système de défense. Écoutez-moi bien. Demain, assise derrière moi, entre deux gendarmes, face au juré, vous serez la vedette de cette matinée gratuite qu'est toute séance de cour d'assises. C'est bien ce qui me fait peur. Voyons, quel chapeau mettrez-vous? Mais je n'en ai qu'un. Celui en topé frisson. Bon, a-t-il d'assez grand bord? Oui. Parfait. Ne l'enfoncez pas trop. Et surtout, pas d'épingle. Pas d'épingle. Asseyez-vous, messieurs. On sort d'en prendre. Comme vous voudrez. On peut fumer? Oui, oui, oui. Je vous rappelle, messieurs, que la loi ne demande pas compte aux juges que vous êtes des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit aucune règle. Mais qu'elle leur demande de s'interroger dans la sincérité de leur conscience pour répondre à la seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Oui. Non. Oui. Pas moi. Peut-être. Pas encore. Mais pourtant... Bon, je vous demande alors, messieurs, quelle impression ont fait sur votre raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense? Elles n'ont fait qu'embrouiller les choses. Pour moi, l'affaire est claire. Vous avez de la chance. Alors, l'accusé est-elle coupable, oui ou non? Non. Combien de fois faudra-t-il le répéter? Moi, je crois que si. Moi, j'ai des doutes, pour ne pas dire plus. Vous n'êtes pas le seul. Vous avez des doutes? Oui. Je suis médecin de campagne, il est vrai, mais les affirmations des savants ne m'en imposent pas. Ceux-là sont venus nous dire, nous avons vu de l'arsenic. Ils en ont même mesuré les doses en milligrammes. C'est bien présomptueux. L'inévitable couplet sur l'incapacité des experts, dont la science et la conscience me rassurent pleinement. Moi, pas. D'abord, à quoi ont-ils reconnu que c'était de l'arsenic? À une odeur d'ail. Oh, comme si cette odeur d'ail ne pouvait pas se développer normalement dans l'estomac, la digestion. Surtout dans le cas d'une grippe infectieuse. Les cristaux qu'ils ont trouvés se sont dissous dans l'eau.
Si l'arsenic était la seule substance soluble dans l'eau, ce serait une preuve. Un précipité de sulfure jaune d'arsenic s'est formé dans la dissolution. Ils l'ont dit, du moins. Ah oui, oui, pour ça. Pour convaincre, il aurait fallu retirer de ce prétendu sulfure de l'arsenic métal. Et nous le montrer. Ils ne l'ont pas fait. Ah. Alors, je garde mon entière confiance aux experts. Pour moi, l'empoisonnement ne fait pas de doute. Ah oui, mais l'accusé n'y est pour rien. Mais si ce n'est pas elle qui a versé le poison, où est la main coupable ? Patience. Oh, patience, patience. Expliquez-vous une bonne fois. Nous ne sommes pas au tribunal. Je ne suis pas un témoin qu'on cuisine. Enfin, du moment que l'accusé a toujours nié, oui. Protester de son innocence. À l'instruction aussi bien qu'à l'audience. Comment ? Hier, dans le prétoire, à l'apparition de la mère douloureuse et de la sœur, brisée de chagrin, l'accusé, qui n'avait revu ni l'une ni l'autre depuis son arrestation, brusquement, prise de remords, s'est écriée « La coupable, c'est moi !» Que vous faut-il de plus ? Prise de remords, c'est vous qui le dites. Elle était affolée, la malheureuse. Enfin, après 13 jours de blabla, elle qui n'a déjà pas la tête solide... Il y a des cris qui ne trompent pas. L'aveu d'hier en était un. L'aveu ne peut jamais être considéré comme une preuve. Alors, je comprends mal certaines réticences tenaces après ce que je viens de vous dire. Mais vous n'avez pas tout dit. Qu'a répondu la mère à cette question du défenseur ? Croyez-vous l'accusé capable, coupable d'un crime aussi affreux ? Non, je ne peux pas le croire. Elle a été au contraire d'un dévouement admirable. Tel que... À cette même question, qu'a répondu la mère supérieure du couvent où l'accusé a été élevé ? Il est impossible pour moi qui la connais bien qu'elle ait commis un crime aussi lâche. Une sainte femme, l'a-t-elle dit ? Mais oui. Et elle a même ajouté... Je ne sais plus les mots exacts. Enfant passionné de musique, doué d'une imagination un peu folle, mais le cœur pur, incapable d'une mauvaise action. C'est ça. Quelle mémoire ! Fréquemment malade, elle se faisait bien remarquer par ses bizarreries, allant parfois jusqu'à s'accuser de fautes qu'elle n'avait pas commises. Nous y voilà. Je me réservais d'y revenir. Le beau sujet d'exploration pour un psychanalyste. Elle s'accusait de fautes qu'elle n'avait pas commises. Alors ? S'accuser contre son intérêt. Eh oui, pourquoi ? Pour compenser par l'éclat emprunté de son soi la médiocrité foncière de son moi. Hein ? Pour se rendre intéressante, si vous préférez. Pour être enfin quelqu'un. Et risquer l'échafaud, non ? À moins d'être folle. Mais elle l'est. Sa mère a été enfermée à plusieurs reprises. Ben, l'enquête est là. Son propre père, le général, est mort à l'asile de Pau. Sans compter le frère Saint-Cyrien, qui a tout quitté pour aller garder les propos dans les pampas de l'Amérique du Sud. Mais oui, hérédité chargée. Mais son défenseur nous a même appris qu'elle était née avant terme, en état d'asphyxie blanche, et qu'enfant, pendant plusieurs mois, elle avait eu la danse de Saint-Guy. Oh, vas-y voir. Oh. Il suffisait de la regarder pour s'en convaincre. Pendant l'interrogatoire, elle répondait d'une voix menue, plaintive, souriait tristement, riait, pleurait. Ensuite, assise dans son box, elle chantonnait en regardant voler les mouches. Complètement étrangère au débat. Alors ? Comédie. Bien réglé. Oh. Mais naturellement, tout ce qui plaît dans sa faveur, pour vous, c'est du pour. Vous tenez à la condamner, c'est votre métier. Ça, je ne vous permets pas de suspecter mon objectivité. Je ne tolérerai pas qu'un juré me parle sur ce ton. Vous n'êtes pas plus que nous ici. Non, mais je suis poli, moi. Monsieur, l'incident est clos. D'après vous, l'accusé ne serait donc qu'à demi coupable. Ni coupable, ni admis. Alors, irresponsable ? Je n'ai pas dit ça. Ce serait aller contre l'opinion des psychiatres, qui, eux, l'ont déclaré responsable. Son accident de vélomoteur l'a tout de même laissé sujette à des vertiges et à des troubles de mémoire. Les experts ont refusé d'en tenir compte. Ah oui, mais il y a eu des murmures dans la salle. Vous avez menacé de la faire évacuer. Et c'est à ce moment-là que l'avocat de Paris, brusquement dressé, s'est retourné vers l'accusé et, dans un grand mouvement, spontané, lui arracha son chapeau, découvrit son front, où nous avons tous vu la profonde cicatrice. Oh, une simple égratignure. Oh, non, non, vous n'aviez pas vos lunettes. Oui, ben trop tard. Non, du calme, monsieur. Pour vous abuser, le défenseur a repris à son compte un vieil effet d'avocat, qu'avant lui, le célèbre Berryer avait déjà placé. Berryer et bien d'autres. En tout cas, moi, lorsque pour toute réponse à une intervention féroce de l'avocat général, le défenseur, bouleversé,
nous a dit les larmes aux yeux en passant lentement son doigt sur la cicatrice. Après ça, messieurs les jurés, cette fille de race n'était plus qu'une pauvre innocente. Moi, ça m'a retourné. Moi. Ah, ouais. Complètement. La salle aussi. Elle a crié bravo. Ah oui, ça a été le bouquet. Quand on a du cœur. Ah, une bouffée d'humanité venait enfin de changer l'air. Revenons au fait, voulez-vous. Un domestique de l'hôtel de Voutenay, en nettoyant à fond la chambre de la victime après le décès, trouve derrière le tablier de la cheminée, et nous sommes à la fin du printemps, dans l'âtre éteint, parmi les cendres, un chiffon de papier imprimé, à demi consumé, qu'on identifie sans peine. C'est la page d'un numéro du bulletin paroissial, celui précisément de la semaine du crime. Or, l'accusé est abonné au bulletin paroissial. Oh, elle n'est pas la seule du diocèse. Non, mais Madame de Voutenay n'y est pas abonnée, elle. Quelqu'un l'a donc apporté du dehors, cette page. Qui ? L'accusé. Mais rien ne le prouve. Si on l'avait retrouvé dans sa chambre, ce fameux numéro avec une page en moins, d'accord. Seulement voilà, on ne l'a pas retrouvé. Comme par hasard. Elle a déclaré à l'inspecteur Gaffori s'en être servi pour allumer son feu. En plein été. Oui, du feu au mois d'août. Eh ben quoi, même en été, on allume sa cuisinière. Alors ? Vous pataugez. Éclairez-nous. Patience. Vous abusez étrangement de notre patience. C'est mon droit. Enfin, messieurs, point capital. Sur cette page arrachée, les experts, et là, pas de contestation possible, ont décelé des traces d'arsenic. Or, l'accusé, garde de nuit, bénévole, qui, sans témoin, administrait à la malade les boissons prescrites par le médecin, l'accusé, dis-je, en dissimulait un gros paquet dans son armoire au poison. Son armoire au poison. Ce sont les termes mêmes de l'inspecteur Gaffori dans son rapport. Nous ne sommes pas chez la voisin. L'arsenic et la strychnine sont-ils d'un usage si courant pour une demoiselle? L'accusé en a justifié l'emploi. On a retrouvé chez elle jusqu'à l'ordonnance du vétérinaire, mort à la guerre. En héros. Oui, mais on n'a pas retrouvé le guignolet. Empoisonné. Empoisonné. Qu'en savez-vous? Et l'a-t-on analysé, ce guignolet? Non. Ah. Encore une lacune de l'instruction. Elle avait cassé la bouteille, exprès. Supposition gratuite. Vous aurez beau dire, reste le carnet. L'argument massue. Qui vient renforcer notre thèse. Car c'est là que se peint la débilité mentale de la pauvre accusée. Elle va consulter une voyante, cette Madame Adelina qui en a déposé, pour savoir, sans le nommer, si elle épousera celui qu'elle aime. La devineresse lui tire les cartes. Je vous vois en blanc au bras d'un homme brun. Et ça lui suffit à la follette pour noter en rentrant sur son carnet « Joie, joie !» Comme Pascal lors de sa fameuse nuit. Qui ça, Pascal? Supposons-la idiote, ce qui n'est pas le cas. Mais une idiote peut commettre un crime, il y a de nombreux exemples. Non, j'ai toujours penché dans cette affaire pour le suicide. Messieurs, je vous en prie. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une cause sérieuse. Vous avez trop d'imagination, monsieur Gelé. Vous êtes sans doute un auteur bien connu dans la région, mais... Et à Paris aussi. Oui, bien sûr. N'avait-on pas parlé de vous pour le prix Goncourt? Si. Malheureusement, je n'étais pas édité à la NRF. N'empêche que dans mon dernier roman, Le figuier stérile... L'héroïne, une jeune fille de la Chaux-de-Fonds, en Suisse, fiancée à un pasteur, se tue parce qu'elle sait que son bonheur ne pourra jamais aller plus haut. Ça va pas mieux. C'est du roman. Des vues d'intellectuels qui me paraissent saugrenues. Ça ne tient pas debout. À qui feriez-vous croire qu'une vierge, dans l'épanouissement de son premier amour, songe à se détruire, enfin? Alors, qu'est-ce qui vous surprend? Le passage d'un sentiment au brusque sentiment contraire. Mais de ces inconséquences, de ces contradictions qui sont dans la nature humaine, vous en trouverez cent exemples chez le fameux psychologue qui est Dostoïevski. Oh, oh, Russe! Eh ben quoi, qu'est-ce qu'ils ont, les Russes? Moi, je tire mon chapeau aux inventeurs de Spoutnik. Là n'est pas la question. Messieurs, je vous en prie. Réfléchissez aux tristes réalités de ce crime. À qui profitait-il, sinon à l'accusé?
En bref, voilà un homme entre deux femmes. L'une chimérique, mais passionnée, se voit délaissée, car il va épouser l'autre. La jalousie, alors, anime sa haine, excite sa vengeance et la pousse au crime. C'est trop logique pour être vrai. Moi, je suis d'accord avec vous. Ah, tout de même. Oui, 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 la jalousie est le mobile du crime. Vous, alors, vous convenez donc que l'accusé est coupable? Non! Comment non? Oh, vous vous moquez du monde! Non, messieurs, messieurs, je vous en prie. Un peu de dignité. La vie de l'accusé est en jeu. Mademoiselle, j'aurais été du jury, eh bien j'aurais voté comme eux. Je ne te l'ai pas dit, Victor. Si, Jules, moi aussi. Vous êtes gentil. Ah, il l'a eu, son acquittement. Vous avez entendu les applaudissements du jury. Après le coup du chapeau, c'était couru. Donc, voilà l'avocat qui arrive à toute pompe. Ah, je vous garantis qu'il a le sourire. Mon sauveur. Mon enfant. Appelez-moi Yolande. Laissons-les. Bravo, Yolande. Vous avez joué votre rôle jusqu'au bout avec un naturel qui a tout emporté. Mais j'ai fait ce que vous m'aviez dit. Oh, beaucoup plus. Je ne vous avais pas indiqué de chantonner en suivant le vol d'une mouche dans les régarés pendant votre interrogatoire. Quelle comédienne. À côté de vous, maître, je n'existe pas. Moi, c'est mon métier, mais vous, une débutante. Enfin, nous l'avons eu, votre avocat général. Hein? Ouf, vous êtes libre. Si j'avais été coupable, j'aurais eu des remords. J'ai le cœur léger, puisque je suis innocente. Vous êtes libre. Et célèbre, la femme du jour. Pour vous, maître. Merci. Ah non, non, c'est pour vous. Oui, tenez, qu'est-ce que je disais? Déjà, une demande en mariage. De qui? Mais Herbert Brooke, WH. Sans plus de détails. Bah, peu importe d'ailleurs, car voici plus important... de Daniel Grusgott. Qui est-ce? Comment, vous ne connaissez pas Daniel Grusgott, le magnat des films de France? Le fameux super producteur du vase de Soissons, des Mignons d'Henri III? Non, qu'est-ce qu'il me veut? Ben, il vous offre un contrat. Un contrat? Oui. De cinéma, moi. Mais il ne me connaît pas. Et je vous répète que le monde entier vous connaît maintenant. Votre procès vous a fait une publicité monstre et gratuite qui aurait coûté des millions. Daniel entend en profiter le premier. Enfin, pour faire du cinéma, il faut apprendre. Apprendre? Je ne suis pas actrice. Ben, précisément. Aujourd'hui, c'est un avantage. Dont je n'entends pas profiter. Comment, allez-vous refuser un pont d'or? Que m'importe l'argent? La seule chose qui compte aujourd'hui pour moi, c'est qu'Hubert Rosan soit tiré d'erreur. Qu'il me rende son estime. Oui, là, vous rêvez. Mais enfin... la décision du jury l'aura convaincu. Elle n'a fait que l'irriter. Non. Non, je connais sa droiture. Il ne me pardonnera jamais sa défaite. Eh bien, j'irai le trouver. Il ne vous recevra pas. Madame de Voutenay et Catherine m'accueilleront, elles. Pas davantage. Une question qui, je le crains, demeurera sans réponse, et que d'ailleurs tout le monde se pose, les aigrira dans leur deuil. Quelle question? Si Yolande n'est pas coupable, qui est-ce? Mais je ne sais pas, moi. Réfléchissez. Avant de vous exposer à l'humiliation de vous voir claquer au nez toutes les portes de vos amis et connaissances. Eh bien, tant pis. Si ces gens-là ne veulent plus de moi, je les méprise et adieu. Vous partez donc ce soir avec moi pour Paris. Ce soir? Mais comment voulez-vous? Ne vous inquiétez pas. Je me charge de tout. Ma mère? Je vous trouve encore en prière. Vous allez prendre froid, vous étiez très souffrante hier. Et j'avais dit d'allumer du feu.
C'est moi qui refusais, ma mère. Vous n'êtes pas raisonnable. Avez-vous un peu mieux dormi? Oui, ma mère, je vous remercie. Plus fait de ces cauchemars? Non, ma mère, plus jamais. Vous êtes passée, ma pauvre enfant, par de si dures épreuves. Dieu m'avait sans doute distinguée. Pas d'orgueil. Je vous suis reconnaissante, ma mère, de m'avoir acceptée comme pensionnaire dans votre maison. Mais il me tarde d'être des vôtres, complètement. Il ne faut rien brusquer, mon enfant. Le choc d'une grande douleur, à votre âge surtout, peut tromper sur soi-même. Éprouvez-vous plus longuement. Mon choix est fait, ma mère. Désormais seul au monde, je le quitte sans regret. Ne vous retranchez pas si tôt du monde. Non, lisez les journaux, recevez des visites, des lettres. Prenez-les. Vous n'êtes pas en prison, ici. On a frappé, ma mère. Ah, je deviens un peu sourde. Entrez. Ma mère, on demande mademoiselle de Voutenay au parloir. Qui, sœur Vincent? Allez. Non, ma mère, je... Allez, mon enfant. Vous n'auriez pas dû revenir. Mes visites vous déplaisent? Asseyez-vous. Êtes-vous bien installé au moins? Trop bien. J'aspire à suivre une règle plus sévère. Plus sévère? J'aurais pris le voile avant un mois. Vous? Irrévocablement. Sœur Catherine. J'abandonnerai jusqu'à mon nom. Je n'ai pas le droit de désapprouver votre décision, Catherine. Moi-même, j'ai demandé mon changement. Ce n'était pas encore fait? Non. Qu'est-ce qui vous retenait donc ici? Son souvenir. Le cimetière où elle repose, à côté de votre mère. Mais je m'en aperçois chaque jour davantage. Je ne peux pas demeurer dans cette ville où tout me la rappelle, où tout m'y fait mal. En venant ici, je suis passé devant votre maison où je n'aurais connu que la promesse du bonheur. Les fenêtres étaient fermées, volées. Dans la criminelle, elle fait du cinéma. On ne peut pas ouvrir un journal sans y rencontrer son image provocante. Il n'y a peut-être pas de justice, Catherine. Si. Là-haut. Et où irez-vous? J'irai. Oui, votre changement. Qu'importe sans elle. On m'en verra le plus loin possible. Colonie. Je vous épouse, Hubert, de toutes mes forces. Vous n'y trouverez pas la consolation? Jamais. Mais peut-être l'apaisement. Comme vous êtes pâle, Catherine, faites bien attention à votre santé. Déjà. Excusez-moi, la cloche de la chapelle. Ma visite aurait été bien courte aujourd'hui. Au revoir, Catherine, à demain. Non, Hubert. À après-demain? Non, Hubert. À quand? Il faut nous dire adieu. Catherine, vous n'avez pas encore prononcé vos vœux. Adieu pour toujours. Catherine, à qui désormais parler d'elle, vous restiez la seule à l'avoir connue et aimée. Séparer son souvenir vivant nous unira. Ah non, Catherine, ne m'abandonnez pas. Je vais prier pour vous. Permettez-moi de revenir. Non. Catherine. Non. Rien qu'une fois. Alors, la dernière.
J'espérais que, passé l'hiver, sa nature vigoureuse reprendrait le dessus. Elle paraissait aller mieux. Et puis, hier, dans la nuit, j'ai dû faire appeler le docteur Mauriès. Ses cauchemars la reprennent. Oui. Sœur Vincent, qui la garde, l'a de nouveau surprise dans le couloir, parlant bas, toute seule, endormie. Mais qu'a-t-elle dit quand Sœur Vincent l'a réveillée ? Il ne faut jamais la réveiller dans cet état. Bientôt, elle a d'elle-même regagné son lit. Toujours en sommeil. Mais ses larmes coulaient. Comme elle devait souffrir. Et quand elle a repris conscience ? Elle ne se rappelait pas. Elle était seulement brisée. Son chagrin la mine et nous n'y pouvons rien. Elle a perdu 5 kilos en 13 jours. Mais qu'en pense le docteur Mauriès ? Qu'elle les rattrapera vite. N'empêche qu'il vient la voir plusieurs fois par jour. Il est auprès d'elle en ce moment. Pendant qu'elle a été souffrante, elle n'a pas demandé à me voir. Non. Ni prononcé mon nom. Si. Parfois. Pour vous plaindre. Oui. Eh bien, docteur ? 39,9. La fièvre a encore monté. C'est très grave, n'est-ce pas, docteur ? Très grave ? Non. Ses natures nerveuses sont un ressort incroyable. Il n'y a rien d'organique dans son cas, je peux vous l'affirmer. Je l'ai suivi depuis sa naissance. C'est moi qui l'ai mise au monde. Mais a-t-elle été toujours sujette à des accès comme celui de la nuit dernière ? Non, non, mais une fois ou deux, à la suite d'une violente émotion. Ainsi, quand sa mère s'est remariée, elle en a beaucoup souffert, toujours sans rien manifester. Seulement, on l'a retrouvée en chemise de nuit, pieds nus, les yeux ouverts, un bougeoir à la main, devant le portrait de son père. Elle avait 6 ans. Aujourd'hui, encore sous le coup de cette mort atroce qui nous a tous bouleversés, et vous si cruellement atteints, elle paie les suites d'un terrible ébranlement nerveux. Aggravée pour elle, si droite, par l'acquittement scandaleux de la coupable. Que Dieu, qui voit tout, confondra bien un jour. Oui. En attendant, laissons faire le temps. Catherine est jeune, saine, faite pour vivre, et bien vivre. Si vous voulez mon avis, ma mère, je ne pense pas que l'état religieux lui convienne. Le mariage pour elle arrangerait bien des choses. Mais je vous prie de m'excuser, j'ai d'autres malades qui m'attendent. À ce soir, ma mère. À ce soir, docteur. Mon cher ami. Docteur, quand m'autoriserez-vous à la voir ? Bientôt. Merci. Le docteur Mauriès a raison. Oui, il n'y a rien d'organique, c'est l'essentiel, n'est-ce pas ? Non. Catherine se leurre sur sa vocation. Croyez-vous, ma mère ? Je ne veux pas la heurter, mais elle en reviendra. Je ne pense pas. Si vous m'y aidez. Moi ? Oui. Dimanche prochain. Attendre une longue semaine. Tant que je vivrai, sa tombe sera fraîchement fleurie. Il y a trop de pauvres morts qu'on oublie. Si en revenant de la grand-messe, nous avons pris par le plus long. Je n'ai que le temps de rentrer. Oh, il fait si beau. Le déjeuner est à midi, ces dames sont si strictes. Déjeunons ensemble, voulez-vous ? Je vous n'ai
pensez pas. Que dirait la mère supérieure? Rien. Qu'en savez-vous? Je lui ai demandé la permission. Sommes consultés? Et que vous a-t-elle répondu? Mais oui, bien sûr, c'est pour son bien. Il faut la sortir d'elle-même. Déjà, elle reprend goût à la vie, les couleurs lui reviennent. Comme la plus fine peut s'y tromper. Mais c'est vrai, Catherine, l'air d'avril vous a fouetté les joues. Jamais vous n'avez été aussi belle. Et belle? Ici. Et Catherine, ce n'est pas offenser l'absente, encore moins l'oublier. Elle a sa place dans le sentiment qui, chaque jour, vous rend plus cher. Me blâmez-vous, Catherine? Je n'ai pas à vous répondre. Vous connaissez ma résolution, toujours aussi ferme. Catherine, des mois ont passé... N'ai-je pas été gravement malade? C'est justement pendant votre grave maladie que j'ai compris... Oui, enfin, votre jeunesse a été la plus forte. Convalescente, je vous ai vu guérie. Votre première visite était pour le cimetière. Un dimanche, vous avez bien voulu que je vous y accompagne. Et puis tous les dimanches, nos entretiens avaient repris avec plus d'abandon, plus de confiance. Je surprenais parfois sur vos lèvres un sourire. Et vous en aviez conclu, légèrement. Je vous demande pardon, Catherine. C'est ma faute. Si je n'ai pas trouvé le courage de m'opposer à vos visites de plus en plus fréquentes, c'est que j'attendais toujours que vous m'annonciez votre changement. Non, j'avais retiré ma demande. C'est mal de ne pas me l'avoir dit. Je ne vous ai rien caché, moi. Il est temps pour nous deux que je me reprenne dans la solitude et la prière. Je vous promets dorénavant d'espacer mes visites, Catherine. Hubert, votre présence ne doit plus me distraire. Soyez généreux. Je vous laisserai donc en paix désormais. Vous avez de la peine. Moi aussi. Mais il le faut. Oui. Rentrez sagement chez ces dames. L'heure est passée. On ne vous tiendra pas à rigueur de ce léger retard. Oh, je troublerai la pieuse lecture au réfectoire. J'attirerai sur moi l'attention sévère de mes futures compagnes. J'aurais encore à subir les observations de la mère supérieure trop prompte à me décourager. Non. À partir de demain, je durcirai ma vie. Il faudra bien qu'on me croie résolue. Aujourd'hui, déjeunons ensemble. Mais vous voulez bien? Je n'ai plus le choix. Mais loin de la ville. Attablée en votre compagnie, je risquerai de rencontrer des figures de connaissance. Dieu sait ce qu'on serait capable d'imaginer. Oui, oui, à la campagne, nous y serons seuls, voulez-vous? Soit. Mais passons d'abord chez le fleuriste, choisir un rosier blanc. T'avais bien défendu de descendre de ta voiture. C'est comme ça qu'on se casse une jambe. Je dirai à mademoiselle et tu seras privée de dessert. Ces enfants, on ne peut pas les quitter un seul instant. Comment? Tu ne le recommenceras plus. Mais la prochaine fois, tu auras affaire à moi. Viens, on est promis. Ne te découvre pas. C'est comme ça qu'on attraperait une. Et après, qui est-ce qui te soignera? C'est moi. Comment? Tu me le diras à l'oreille? Ça, il faut demander à papa. Qu'est-ce qu'elle a encore inventé? Papa, ma poupée voudrait bien monter à cheval. C'est ta poupée ou toi? Les deux. Irène, laisse ton père tranquille. Au moment, c'est un jeu. Il n'a pas le temps. Viens, papa, viens faire cheval, viens. Allez, à dada.
Attention, prête, mademoiselle. Oui. Hop. En route pour le grand steeple d'Autriche. Hubert, lève-toi, je t'en prie. Tu as une faiblesse avec cette petite. Je ne veux pas que Juliette Thomas dans cette posture ridicule. Ridicule, mais Henri IV, il avait des tas de petits-enfants sur son dos, Henri IV. Madame, tu n'es pas sage, ton petit frère est plus raisonnable que toi. Oh, il crie tout le temps. Philippe n'a pas 2 ans, mais toi, tu es une grande fille. Oui, Juliette, amenez Irène et dites à mademoiselle d'habiller les enfants pour la première. Mon petit lapin, il faut obéir à ta maman. Allons. Voilà, maintenant elle pleure. Bah, qui la faute, tu fais ses 1000 volontés, elle devient impossible. Je te trouve bien nerveuse, toi, mon chéri, aujourd'hui. Tu n'as rien qui te contrarie? Non. Tu pourrais me le dire, Catherine. Je veux te sentir heureuse, détendue. Tout à moi. Non, pas maintenant. Tu me caches quelque chose, Catherine? Eh bien, oui. Ah? J'ai la réunion des mères chrétiennes à 3 heures. Tu ne pouvais pas le dire avant. C'est qu'un mauvais moment a passé. Ton café va être froid. Je crois qu'il est froid, oui. Tu n'es pas fâchée? Ah, tu plaisantes. Oh! Mais tu as vu? Non. Ah, bah c'est pourtant assez gros. Quoi? Yolande, dans la marquise de Brinville, à partir de mercredi au cinéma. Ah, elle a une certaine allure là-dessus, l'empoisonneuse, regarde. Faut pas? C'est un défi. Oh, un vieux film. Il est passé ici dans sa nouveauté pendant notre voyage de noces. On aurait dû l'interdire. Catherine, ce n'est pas la première fois qu'on porte à l'écran un procès historique. Non, l'odieux pour nous, à l'époque, c'est que la misérable et l'impudence de refaire son geste criminel devant des milliers de personnes est sitôt acquittée. Et après 6 ans, tu sais... Oh, tu me fais de la peine. Voyons, Catherine. Tu te reposes, tu as bien raison, tu as tout le temps. Tu es bien gai, mon chéri. Il y a de quoi, tu trouves pas? Tu n'as pas vu la cravate, mais si, elle est là, Chérie. Oui, padadoudou. Je t'en prie, n'y va pas. Encore? Écoute, Catherine, le garde des Sceaux me propose le poste d'avocat général au parquet de la Seine. Je lui dois une réponse. Télégraphie-lui que tu acceptes. Oui, pour que la demoiselle des postes mette toute la ville au courant, non? Et après? Non. Pas avant que ma nomination ne paraisse à l'officiel. Je n'en ai encore parlé à personne, pas même au président. Alors téléphone. Non, ça serait pas correct. Je partirai demain pour Paris.
Mais je ne peux pas vivre séparée de toi. Comment même 48 heures? Nous ne nous sommes pas quittés un seul jour depuis notre mariage. J'aurais peur dans cette grande maison toute seule. Accompagne-moi. Et les enfants? Mademoiselle est là pour s'occuper d'eux. Embrasse-moi. Oh, serre-moi fort. Catherine. Oh, je t'aime, Catherine, calme-toi, mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'ai jamais vu dans un état pareil. Tu as eu tort de t'emmener au cinéma cet après-midi? Avec le souci pour moi de ce grand dîner, ce n'était vraiment pas le jour. Mais oui, mais j'étais occupé toute la semaine par l'affaire du train bleu. Cette séance était la dernière, le programme change demain. J'ai aperçu le président et sa femme dans la salle, tiens. La marquise de Brinvilliers fera sûrement les frais de la conversation ce soir pendant le dîner. Promettons ce dîner. Catherine, tu perds la tête, les invitations sont lancées depuis 15 jours. Non, on ne traite pas aussi cavalièrement ces messieurs du parquet et leurs épouses. Mais je ne me sens pas assez bien pour recevoir tout ce monde. Mais t'en fais pas, ils ne seront pas là avant 8 heures. D'ici là, tu auras tout le temps de te remettre. Si j'étais malade pour toi, il faudrait... Ah non, Catherine, n'exagère pas, voyons. Et le glacier qui n'a pas encore livré la bombe et les petits fruits. Mais tout ira bien, tu verras. Je ne te cache pas que j'aurais bien aimé voir la fin du film. Mais juste au moment où Yolande, seule, avec son père, à la campagne, elle empoisonne affectueusement. Tu t'es soudain trouvé mal, il a fallu sortir. La chaleur, l'air vicieux de cette salle bondée. Ouais, n'empêche que j'aurais bien aimé voir comment Yolande tient le coup quand elle est confondue. Hein. Jusque-là, d'un naturel parfait, une connaisseuse. Tu as vu comment elle essayait le poison sur les malades des hôpitaux, leur offrant avec gentillesse un bonbon pour faire passer le coup de l'arsenic. Je t'en supplie. Bon. N'en parlons plus. Ce film est une horreur. Non, moi, ce film, je le trouve moral dans la mesure où il prouve qu'il n'y a pas le crime parfait. Tous les criminels qui ont échappé au châtiment finissent par se voir hors d'atteinte, mais tout se paye. Et retiens bien ce que je te dis, Catherine. Yolande se fera pincer, comme les autres, bêtement le jour où il s'y attendra le moins. Qu'est-ce qu'il y a, Catherine? Oh. Ce n'est plus possible. Qu'est-ce qui n'est plus possible? Tout le monde dort. Je suis tard d'insister, excuse-moi. Irène, ma chérie, bois. Allons, bois. Pour me faire plaisir. À la bonne heure. Un mauvais goût dans la bouche? Tiens, croque un bonbon. Et maintenant, bonne nuit. Et cette fois, ce sera fini. Thank you.
Chérie, tu veux m'attacher mon collier? Oh, je me sens si fatiguée. Hubert. Hubert. Mais qu'as-tu? Mais qu'as-tu? C'est toi, hein? Moi? Un criminel. Et qu'est-ce que j'ai dit? Tout. Tes paroles, tes gestes, il n'y a pas de doute possible. N'iras-tu maintenant que tu es réveillé? Non. Oh, ma femme. Toi que je mettais au-dessus de tout. S'apercevoir tout à coup. Tout à coup, non. Non. Mais non, ta nervosité ce soir, ton affolement la semaine dernière. Et avant, bien avant, certaines paroles étranges qui t'échappaient pendant ton sommeil, les premières nuits de notre mariage. Oh, je comprends. Trop tard. Pendant ta bizarre maladie au couvent, une pensée affreuse m'avait traversé l'esprit, mais je l'avais repoussée, honteux de l'avoir eue. J'avais tout mis sur le compte du chagrin. Tu as fait ça. Tu l'aimais. Côté de qui ai-je vécu pendant 6 ans? 6 ans. De bonheur. Oui, dans le crime. Mais je t'aimais. Elle aussi, Catherine. Une de nous était de trop. Pourquoi pas toi? J'y ai pensé. Mais j'étais sûre que tu finirais par m'aimer. Sûre que tu m'y forcerais? Oui. Dès que je t'ai vue, pour la première fois, j'ai eu envie d'un homme. De toi. Une envie qui m'effrayait moi-même. Tais-toi! Mais comment t'approcher, m'offrir une jeune fille bien en province? Que tu oses. Le matin où je suis tombée de cheval, tu te rappelles? Je l'avais fait exprès. Pour te forcer à me prendre dans tes bras. Et tout s'est passé comme je l'avais imaginé. Malheureusement, c'est elle que tu t'es mise à aimer. Et tu me l'as dit un jour au bord de l'eau, elle se baignait. Tu me l'as dit avec des ménagements plus cruels que des mots brutaux. Ce que j'ai souffert ce jour-là, tu ne l'as pas su. Mais tu me l'as fait haïr. Et c'est ce jour-là que j'ai résolu. Tu es un monstre. Je ne veux plus mentir. Tu ne peux plus. Tu t'es trahi sans quoi personne ne l'aurait jamais su. Et quand tu as fait tes Pâques cette année-là, t'en es-tu seulement confessé? Non. Non. Tu mentais à Dieu, tu mentais au juge, tu mentais à moi, tu mentais à tout le monde. Ton sanglot, ta douleur aux assises. Le rosier blanc sur sa tombe. Tu as laissé condamner Yolande à ta place. Mais il le fallait bien si je voulais te reprendre. Mais à quoi bon mentir maintenant? J'ai perdu. Comme un jeu, n'est-ce pas plus d'importance? C'est effrayant depuis que je t'écoute raconter avec cette cynique complaisance. Crois-tu que ce soit par plaisir? Qui sait, tu parles de toi comme d'une autre, j'ai devant moi une étrangère. Oh, c'est bien ça. Une autre dont je suis détachée. Ah non, 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 tu n'es pas un témoin, tu es la coupable. C'est toi qui as tout conduit sans trembler. Aussi. Oh, l'idée d'en dire trop sans le vouloir. Et tu vois, c'est arrivé. Et pourtant, les années passées, j'avais repris confiance. Confiance? Dieu sait si j'en ai vu dans ma vie de toutes les classes, de toutes les conditions, mais même chez les plus endurcis, il arrivait toujours un moment très court où un reste de confiance, justement, les démontait. Mais toi, non, jamais, un remords, une faiblesse, rien. Mais qu'en sais-tu? J'ai cru 100 fois que je ne pourrais pas me retenir pendant l'affreuse période qui a suivi. Le crime, dis-le. Oh, tais-toi, on peut t'entendre. N'importe, un peu plus tard, maintenant. Mais c'est pour toi. Non, tu mens encore. Garde-toi dans la glace, tu es blanche de peur. Je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies tout dit. Si tu veux. Tu lui donnais à boire lâchement, sans une défaillance. Aussi. Le troisième jour, elle a été malade. Quand je l'ai vue si mal, j'ai cessé. Aussitôt, elle a été mieux. Mais tu as paru si joyeux de sa guérison que... toute ma jalousie, toute ma haine sont revenues et j'ai versé une dose plus forte pour en finir. S'il avait fallu la voir souffrir encore, se débattre, je n'en aurais peut-être pas eu le courage. C'est toi qui as tenu à donner le nom d'Irène à notre fille en souvenir. Oui.
voilà les premiers invités qui arrivent. Je ne serai jamais prête. Maintenant, tu vas me dire où et comment tu t'es procuré le poison. Si tu veux. Je savais que Yolande avait de l'arsenic dans un placard près du piano, tu sais. Un jour, pendant ma leçon de chant, elle s'absente un instant. Tu y arrives? Oui, oui. Continue. J'ouvre le placard, je prends le gros sac, l'étiquette était dessus, mais dans quoi mettre la poudre? J'attrape un journal, le premier sur la pile. Numéro du bulletin paroissial. Oh, je n'ai pas eu le temps de lire. Yolande rentrait, je versais la poudre et fourrais le paquet dans la poche de mon tailleur. Ben voilà, tout est clair. Sera publiquement reconnue innocente. Puisqu'elle est acquittée. La vérité, rien que la vérité, Catherine. Mais comment veux-tu qu'on la prenne si tu ne dis rien? Tu n'aurais pas brisé volontairement ta carrière le jour où tu es nommé à Paris. Ah non. Imaginez, faire de moi ton complice. Ce n'est plus du cynisme, c'est de l'inconscience. Tu n'as pas l'air de te douter de ce qui va se passer demain dans la vie. Réveille-toi tout à fait, ma fille, réveille-toi! Mais tu me parles un ennemi? Tu me fais horreur, Catherine. Ah oui. Tu as raison. Je suis une créature abominable. Punis-moi cruellement, je le mérite. Mais ne dis rien, tu entends, ne dis rien! Moi, non. Oh, chérie! Mais toi, tu vas aller te dénoncer. Ah non! Ah non! Le jugement public, jamais. Oh, si je n'avais pas d'enfant, peut-être, mais savoir lorsque leur intelligence s'éveillera à la vie, ce sera pour apprendre que leur mère est un assassin ou les pauvres innocents. Je resterai avec eux. Tu nous as déshonorés, tu as anéanti leur avenir. Je demande qu'à ne plus entendre parler de toi, jamais. Oh, chasse-moi, je veux bien. Mais tu n'as plus rien à vouloir. Mais brûle mes photographies, que mes enfants ne sachent plus mon nom. Ce sera mon châtiment. Ce n'est pas à toi à décider. Il y a un fait nouveau. On informera le jury. Va recommencer le procès. Oh, plutôt me noyer, me jeter sous un train en marche. Dans ta prison, oh, peut-être. Oh, me tuer, j'y arriverai bien, va. Oh. Oh, mais non. Je n'ai jamais autant désiré vivre. Hubert. Ce n'est pas par endurcissement que je suis allée jusqu'au crime. J'étais aveuglée par une passion folle. Tu avais fait naître en moi une femme que j'ignorais. Féroce. Inhumaine. Pardon, Hubert. Pardon. Non, Catherine. Pardon ne peut plus venir de moi. Mais tu ne peux pas oublier 6 années de vie commune, d'intimité, de plaisir, partagé simplement parce que tu le veux. Mais nous avons été heureux ensemble, nous devons être malheureux ensemble.
Oh, ce sera dur au début, tu verras, mais plus tard, beaucoup plus tard, ton ancien amour pourra peut-être me revenir. Oh, Hubert, pense à nos enfants. Oh, laisse-toi, Catherine. Oh, je savais pour bien... Pour qui me prends-tu? J'espérais que l'homme qui m'avait tant aimé aurait au moins un mouvement de pitié. Oh non, n'espère rien. Les magistrats du parquet sont nos autres ce soir. Tu n'auras même pas à te déranger. Allez, viens. Non. Préfères-tu qu'il monte? Hubert, je... Oui. Madame, il est 8h10. Nous descendons tout de suite, Juliette. Alors, viens. Oh, si tu veux. Je t'attends, Catherine. Non, Hubert, non, non. Voilà, c'est... J'arrive. J'attends, Catherine. Bonjour, Juliette. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes les derniers, Juliette. Comme d'habitude. Non, madame. Nous serons pas tous là avant 8h30. Ah, je vois. Bonjour, je ne vous ai pas vu à la piscine. Mais non, j'étais chez le coiffeur. Je l'avais oublié. Oh, cher ami. Cher ami. Oui, ça va très bien. Vous êtes seule? Marie pleine à Tarascon. À Tarascon, pas par ça. Bon. Bien, Catherine. Mais ce n'est pas possible, Hubert pense à nos enfants. Dans la vérité d'abord. Mais tu ne vas pas? Non, tu vas voir. Oh, quel joli mort! Vous la connaissez pas? Oh, ce réquisitoire contre les bandits du train bleu! Deux condamnations à mort! Bravo! Excusez-nous, chers amis, de ce léger retard. Mais un événement imprévu change ma vie ce soir. Mon Dieu, mais vous arrive-t-il? Ma femme va vous le dire. Eh bien? Dis-le. Je vous annonce que je viens d'être nommé avocat général au parquet de la Seine. Oh, mais bon, cher ami, c'est si jeune, c'est merveilleux. Votre âge magnifique. Oh, je suis heureuse pour vous. Je comprends votre émotion. Votre bonheur fait plaisir à voir. Un avancement exceptionnel. Ah, quoique mérité. Et félicitations, mon cher Rosan. Si on vous a distingué place Vendôme, c'est que vous êtes un caractère. Jamais en effet nulle considération d'intérêt ou de cœur. Et vous l'avez prouvé. N'a pu vous distraire de la règle qui fut toujours celle de votre vie. La vérité, rien que la vérité.